Nous devons trouver la trace de ces bandits. Ils ne doivent pas être très loin d'ici. Écoute-moi, Django. Pendant près de 2 ans, on est tous restés avec toi pour attraper Corvo et sa bande. Et aujourd'hui, nous touchons au but. Quand on les aura capturés, moi, je me retirerai à la campagne pour faire de l'élevage. Crois-moi, Manuel, dans ma carrière, j'ai rarement vu un pistolero se transformer en éleveur de chevaux. Mais si nous réussissons à débarrasser ce coin-là de toute la racaille, il y aura du travail pour tous. Les gens pourront circuler sans crainte et vivre en paix. Seulement, cette chasse ne se passera pas aussi facilement qu'on peut le croire. Corvo a oublié d'être bête. C'est Manuel qui va partir en reconnaissance. Ouvre l'œil, il est bon. C'est ma spécialité. Suivons-le et gardons la distance. Oh.
Attention. Non. Attends, il faut d'abord savoir qui c'est. Laisse-les s'approcher un peu de nous. On va leur préparer une fête. Django, j'ai trouvé des traces toutes fraîches. Elles sont de ce côté-là. La fête commence. N'hésitez pas vos places. Si tu as quelque chose à me dire, dépêche-toi. Tu as très peu de temps. Tu dois me croire sur parole. Je suis seul. Tous mes amis sont morts. Je veux t'affronter d'homme à homme. Django, je ne veux pas être abattu comme un chien enragé. Je préfère risquer ma vie en me battant contre toi. Alors, le mieux serait de te rendre au shérif. Je te promets un jugement régulier. C'est ça. Et une belle corde au cou. Je les connais, tes tribunaux. Ils veulent pendre tout le monde pour profiter du spectacle. Je vais finir par croire que tu as peur de te battre avec moi. Jette ton arme et marche vers nous. Si tu ne te rends pas, je vais tirer. Je tirerai aussi. Je me réjouis de te voir mort et dévoré par les charognards. Qu'est-ce qu'il attend pour sortir, Django ? Django ! Django, viens me voir !
avez beaucoup de chance, chère mademoiselle. Depuis la mort de Corvo et de sa bande, vos terres ont doublé de valeur. Je ne désire pas vendre. C'est votre droit le plus strict, mademoiselle. J'en informe la direction. Django a tué Corvo d'un seul coup. Excusez-moi. J'ai toujours dit que ton frère était un type formidable. Oui, madame. Django était le seul homme du Rio Bravo qui pouvait mettre fin à tous ses crimes. Oui, je suis très fier de lui. Cette histoire ne doit pas nous empêcher de travailler. C'est un événement de la plus haute importance. Oui, je le sais, Angelo. Tout est bien qui finit bien. Allez, ce sera tout. Oui, monsieur le directeur. Je ne vous le cacherai pas plus longtemps. C'est parce qu'il a vu de cette potion miraculeuse que Django a pu abattre Corvo. Et passons la monnaie, messieurs, dames. J'ai traversé les rivières et les montagnes. J'ai défié tous les climats pour vous apporter cette eau prodigieuse qui fait pousser les cheveux et qui soulage les douleurs. Et c'est presque un cadeau. $1. Tout de suite, m'occupe de vous. Tenez, il y en aura pour tous. Pas de bousculade, chacun son tour. Allons-y, messieurs, dames, allons-y. Sartana. Sartana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu n'as pas le bon rythme, attaque plus lentement. Voilà, c'est mieux comme ça. Salut, je voudrais une chambre et quelque chose à manger. Vite. Oui, monsieur. Voilà, c'est la chambre numéro 13. Je vous sers tout de suite. Tu t'endors? Voilà, c'est ça. Pousse-toi de là et donne-nous à boire. Doucement, on a le temps. Non, on a soif et on est pressé. C'est moi qui régale, les gars. Tu peux pas aller plus vite, non? Serre-nous bien. Pas des rations pour enfants de cœur. Ah, c'est du pétrole. Ah, ça vaut mieux que rien. Et encore un. Hé, hey, négro. Allez, serre-moi un autre verre. Prends goût à ton poison. Et m'oublie pas, hein. Bonsoir, ça va? Et toi? Tu restes pour mon numéro? Dis donc, qui c'est le beau ténébreux qui est assis tout seul? Sartana. C'est un homme extraordinaire. Il a qu'un défaut, Sartana. Il aime pas les prétentieux. Alors tu me payes un verre. Je lui plairais mieux quand j'aurais mis une balle dans la tête.
Hé, regarde-moi en face. Alors, on joue? J'aime beaucoup me bagarrer. Regardez-le, Sartana est provoqué et ne répond rien. J'aime pas les lâches et je vais te donner une leçon avant de m'en aller. Tu m'entends? De l'or. Je le sais. C'est la dernière fois que je te le pèse. On ne sait jamais. La balance peut peut-être se tromper. Un gramme, c'est important pour moi. Alors, combien tu m'en donnes? Hein? 50 dollars. Quoi? Je ne peux te le payer qu'au prix du poids. Je ne peux pas t'en offrir plus. Tu veux ma mort? Et signé du siège de la Banque Centrale. Monsieur le directeur, il faut que je m'envoie au sujet du prêt. Vous n'avez plus qu'à signer les papiers. Non, nous en parlerons plus tard. Il faut absolument que je leur donne une réponse. Et c'est bon, ce soir. Monsieur le directeur, tant que ces papiers ne sont pas signés, il m'est impossible d'envoyer les documents à notre siège. Oui, je sais, je verrai ça. Mais auparavant, appelez-moi Steve Farwell. Je vous l'envoie, monsieur le directeur, immédiatement. Le directeur te réclame d'urgence. Vas-y, immédiatement. Moi? Il t'attend dans son bureau. Si tu veux t'amuser, débrouille-toi avec monsieur. Son frère est très bien, mais pas lui. Il ne pense qu'à me voler. Drôle de famille. Alors combien il vaut, mon or? Trinque. Vous m'avez appelé, monsieur le directeur? C'est exact. Je voudrais vous dire quelque chose. J'ai perdu un temps fou avec le vieux Giulio. Ah, c'est un des plus anciens chercheurs d'or du pays. Il est parfois tombé sur des filons valables. Seulement, il aimait trop les femmes et le whisky. Et il a tout perdu. Asseyez-vous. Prenez ce fauteuil. Ah, depuis quelque temps, je note que vous faites votre travail de façon très satisfaisante. Et je crois qu'il est temps de penser à votre avancement, monsieur Farwell. Vraiment, monsieur le directeur, je ne sais comment vous remercier. Prenez un cigare. Je vous en prie. Prenez. Merci, monsieur. Vous êtes un garçon avisé, Steve. Et par ailleurs, vous êtes le frère de Django, un des hommes que j'estime le plus. Voici de quoi il s'agit. Pendant la foire, hier matin, plusieurs personnes ont vu arriver Sartana. Et c'est pourquoi je vous ai fait venir. Je pense que vous avez entendu parler de lui. Oui. Bien. Tout le monde le connaît, monsieur le directeur. C'est le tireur le plus rapide de toute la région. Après mon frère, bien sûr. Oui. Ah, si Django était ici, tout serait simple. Mais je ne peux pas l'attendre. Mais alors? Le temps presse. Sartana s'est toujours spécialisé dans les attaques de banque. Il faut donc devancer ses projets et, pour qu'il ne nous attaque pas, donnons-lui de l'argent. Et il s'en ira. Voilà. Je lui offre 3000 dollars afin qu'il quitte la ville. Pour cette mission délicate, c'est vous que j'ai choisi. Je pense que vous pourrez le persuader de quitter le pays.
Michel Django. On a passé de bons moments ensemble. Ce ne serait peut-être pas la vie de Corvo. Adieu, mes amis. Nous nous retrouverons à Thompson. D'accord. À bientôt. Au revoir. Et bonjour à ton frère Steve de notre... Allez, bonne route. Bonjour, Donovan. Steve, qu'est-ce qui t'amène? La banque est fermée aujourd'hui? J'ai une mission à accomplir ici. On dit que Sartana habite chez toi. Sartana? Oui. Dans quelle chambre? La 13. Hé, hey, tu es en affaire avec Sartana? Oui. Tu vas compromettre ta réputation. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis en train de devenir un homme important. Je serai bientôt aussi connu que mon frère Django. Sartana? Qu'il demande? Bonjour. Je ne salue pas les inconnus. Pour quelle raison viens-tu ici? C'est pour vous. J'ignorais que je t'avais prêté de l'argent. Non, non, c'était pas ça. Écoutez-moi. C'est le directeur de la banque qui m'envoie. Il vous donne cet argent en vous conseillant de vous offrir un voyage en Californie, au Mexique ou ailleurs. N'importe où. Pourvu que vous quittiez la ville. Reprends tes billets et tes conseils. Sartana ne vend pas sa liberté. Sors d'ici. Attention à tout. Oui, soyez tranquille. Au revoir. Au revoir, monsieur. Mon oncle, j'ai emporté des livres pour Tante Anna. Tu as très bien fait. Allez, en route. Non, Sartana, oh. Non. Au secours. C'est la voiture de Singer. Ah oui, regardez, c'est lui. Il faut appeler le shérif. Singer a été tué. Shérif. Shérif, venez vite. Singer a été tué. Je me demande qui l'a tué. Quel malheur. Il est venu partir avec sa nièce. Qui pouvait vouloir le tuer? Tout le monde l'aimait bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est M. Singer, il a été tué. Par qui? Personne ne le sait. On l'a ramené à la ville la plus proche, on ne savait pas qui c'était. C'est mon patron, le directeur de la banque. C'est un homme formidable. C'était.
Quelle chose affreuse. Il a eu le temps de dire quelque chose juste avant de mourir. Il a murmuré deux noms. Un dans le genre de Steve. Steve. Et puis Sartana. Ça, j'en suis absolument certain. Seigneur, prêtez l'oreille aux prières par lesquelles nous conjurons humblement votre miséricorde de placer dans le lieu de la paix et de la lumière l'âme de votre serviteur Archibald Singer, que vous avez rappelé à vous. Son âme est sortie de son corps qui rentre dans la terre d'où il a été tiré. Mon Seigneur, accueille en ton royaume l'âme de notre frère, qui durant toute sa vie nous a montré le droit chemin par son exemple, qu'il repose en paix. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ça y est. Je comprends votre inquiétude, monsieur le directeur, mais vous pouvez compter sur moi et sur le personnel de la banque pour vous aider. Nous ferons tout pour vous faciliter la tâche. C'est très gentil et je vous en remercie. Je suis chargé de vous remettre les clés du coffre, les voici. À tout à l'heure, monsieur le directeur. Mais il est vide. Alors, où est notre argent? Mais c'est tous des voleurs. Du calme, messieurs, allons, puisque je vous assure que votre argent sera remboursé jusqu'au dernier sou. Je vous en prie, messieurs, attendez, laissez-moi entrer, je vous retiendrai au courant. Messieurs, ils sont tous là avec des armes. Il faut absolument les calmer, sinon je ne réponds de rien. Que voulez-vous que je fasse? C'est une véritable catastrophe. Ce bandit a tout pris, même l'argent des caisses. Il ne nous reste pas un dollar. Il n'y a pas de solution. Regardez, c'est déjà dans le journal. Déjà? Là. Qui est le coupable? Personne n'en a la moindre idée. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que Steve. Il paraît qu'il voulait voir Sartana. Je parie qu'ils sont complices, tous les deux. Moi, je l'ai vu. Il se vantait d'être en affaire avec Sartana. N'est-ce pas, Tom Heidiller? Qui était? C'est vrai, il n'y avait pas que moi. Il l'a dit devant tout le monde. D'ailleurs, c'est le seul employé qui avait accès aux caisses. Ça, c'est une preuve, shérif. Ne nous emballons pas. Il se peut que ce ne soit qu'une coïncidence. C'est aussi une coïncidence que le coffre n'ait pas été forcé. Et que Sartana ait disparu en même temps que l'argent. Steve aussi est parti. Et personne ne sait où il est. Mais je parierais mon cheval qu'ils se sont sauvés tous les deux. Et en emportant notre argent, il faut les retrouver. Et depuis ce jour-là, ton regard me trouble là. Tiens, mon ange, c'est un remontant. Bois. Ça te plaît? C'est pas mal. Bois encore, chérie, je l'ai gardé pour toi. Bois, allons, sois gentil. Non. Si tu veux avoir beaucoup de force, faut beaucoup en boire. Là. Oh, j'ai pas envie de jouer les sous. Ça veut être un homme. Quelle honte, c'est qu'il y aura avec un verre de champagne. Oh, viens un peu ici. Ouvre, Steve, je sais que tu es là. Ne fais pas un geste, Steve Farwell. Il a un pistolet. À quoi vous jouez, shérif de mon cœur, hein? Regardez, il se paye du bon temps avec notre argent. Du calme. Vous êtes tous très gentils de venir me voir. Mais je n'avais pas besoin. Regardez, il est pas fou. Arrête-moi là. J'ai rien trouvé non plus. Alors, Steve, tu vas nous le dire où tu as caché l'argent? Allez, réponds, sinon tu le regretteras. Où est l'argent? Mais quel argent? Vous voulez dire celui de la banque?
Il est quelque part par là. Ne les range pas si vite, Maria, ils sont à nous. Non, non, non. On savait bien que c'était lui. Bandit. Tu vas nous payer. Ça va pas se passer comme ça. Laissez-moi. Lâchez-moi. Il se payait des filles avec notre argent. Au secours, shérif! Oui, Steve. Qu'est-ce que tu as? T'as pas l'air content de me voir. Django, la banque a été dévalisée. Singer est mort et on a enlevé sa nièce. Que venait faire Steve dans cette histoire? Réponds-moi, shérif. Nombreux sont ceux qui l'ont vu parler avec Sartana. Quand on l'a pris, il avait l'argent. C'est un mensonge. Mon frère n'était pas un voleur. Je ne te crois pas. Va-t'en.
Regarde-moi, petite fleur sauvage. Fiche le camp, ivrogne. Oui, chérie. Tu m'aimes pas aujourd'hui? Bien, ma belle. C'est bien que c'est toi ma préférée. Je suis un homme fidèle, moi. Ah, sur maison de soif, fais-moi boire. Tu ne te couches pas? Tu as vu cet homme? Non. Non, jamais. Non. Non. Personne ne me laissera donc en paix dans ce cimetière. Je vais peut-être plus très clair, mais j'ai encore un bon coup de fusil. Je suis chez moi dans ce village et je vais y rester seul. Est-ce que tu connais ce visage? Un homme qui lui ressemble est passé il y a 2 heures. Des passagers de la diligence. Armière. Que voulez-vous? Nous sommes tous pressés. Je n'en ai pas pour longtemps. Je sais que Sartana est dans la région. Puisque vous êtes son ami, vous devez savoir où il se cache. J'en sais rien. Où est-il? Puisque je vous dis que je ne sais pas où il est. Vous mentez. Parlez, sinon je vous tue. Je vous jure que je n'en sais rien. Je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Non, 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 par pitié. Il m'a dit qu'il se rendrait au Rio Bravo.
Bon voyage. Une aventure pas. Oh, pas moi non plus. Un whisky. Un petit verre d'alcool, ce ne sera pas de refus. Vivons à une époque où il ne faut s'étonner de rien. Tenez, ça vous remettra. Merci. Vrai, les gens font leur justice eux-mêmes sans respecter la loi. On est à la merci de n'importe qui. Oh, ça, c'est bien vrai. J'ai cru qu'il allait tous nous tuer. Il paraît qu'on a arrêté son frère. Oui, un jeune bandit qui s'appelait Steve. Et on l'a pendu parce qu'il avait dévalisé une banque. C'est moi encore Sarkana, un verre, amigo. Et enlevé une jeune fille. Oui, moi aussi, j'en ai besoin. Qu'a-t-il pu lui arriver? Sartana s'est sauvé, lui, mais l'autre, on l'a retrouvé chez une jeune fille. À la route. Et les poches pleines de dollars. Ça va mal, Sartana. Ils ont mis ta tête à prix à Tombstone. Et Django est parti à ta recherche. Django? Oui, Django. On a dévalisé la banque et tout le monde t'accuse. On dit que son frère était ton complice. Ils l'ont tué et Django sait que tu es dans le coin. Il ne faudra pas beaucoup de temps pour te trouver. Tu devrais partir. Sans pistolet, Django. Thank you.
Directeur m'a chargé d'aller voir Sartana pour lui offrir de l'argent. Il voulait m'acheter pour que je quitte le pays. Mais Sartana est un homme d'honneur et j'ai compris qu'il n'accepterait pas un marché de ce genre. C'est le journal de mon frère. Il avait rempli cette page il y a seulement 6 jours et c'était la dernière. C'était la veille du jour où ils l'ont pendu. Pauvre garçon, il est tombé dans leur piège. Et maintenant je commence à comprendre. Quelqu'un avait intérêt à le compromettre. Quelqu'un qui voulait que tout le monde sache que nous avions parlé ensemble. Mais pour quelle raison aurait-on voulu compromettre mon frère? Il était le seul à connaître la combinaison du coffre avec Singer. Bon, ne perdons pas de temps. Où allons-nous? Dans un cimetière. Et qu'est-ce que tu penses y trouver? Tu t'en apercevras à temps. J'étais sûr que le cercueil serait vide. Et puis il a été chez Maria, la Mexicaine, et c'est là qu'ils l'ont arrêté. Tu connais la suite, c'est tout ce que je sais. Maria, la Mexicaine, mais c'est la Mitzinger. Ah, je pense que c'est là qu'il faut que nous allions. Allez, en route. Le jour où ils ont tué ton frère. Elle a peut-être laissé quelque chose qui nous aidera à retrouver sa trace. Laisse-la parler. Alors, où est-elle allée? À Veracruz, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui, elle voulait retourner dans son pays. Je vous jure que c'est tout ce qu'elle a dit. Je ne vous mens pas, je ne sais rien d'autre.
Écoutez-moi, Don Felipe engage des hommes pour marquer les bétails. C'est un bon patron qui paye bien, ça vaut la peine d'y aller. Si ça ne vous intéresse pas, moi, oui. Mais qui est Don Felipe? Il n'y a pas longtemps qu'il est dans les pays. S'il paye en dollars, pour moi, c'est le principal. Parce que moi, je les aime, les dollars. Si, moi aussi. Où il faut aller pour être homme aussi? C'est lui. Il habite la Grande Hacienda. Sors-toi de là. Serre-nous à boire. On crève de soif. Tu as soif? On va te donner à boire. Le beau boit rien. Mais qu'est-ce que tu attends? Fiche le camp de là. Il a peut-être encore soif, il a l'air d'un chien perdu. C'est vrai? Tu as un chien? Fais-nous voir si tu es capable d'avancer à quatre pattes. C'est un avorton qui n'est bon qu'à aboyer. Oui. Allez, avance. Je vais lui apprendre à obéir. Mets-toi à quatre pattes. Et marche, tu entends? J'ai plutôt l'impression que c'est un chien enragé. Pauvre bête, faut la soigner. Tu connais un traitement, toi, pour les chiens enragés? Oui, j'en connais un excellent. C'est un remède sérieux et définitif. Dis-nous ce que c'est, Slim. C'est la mort. Tu vas le payer cher. Maintenant qu'on est entre amis, verse-nous à boire. Hey, tu peux te relever, tu n'as plus rien à craindre. Dis-moi qui est Don Felipe. C'est un gringo qui n'est pas d'ici. Il est arrivé depuis peu et je ne les connais presque pas. Raconte-nous un peu comment il vit. Est-il seul ou avec une femme? La pauvre demoiselle. Elle est folle, paraît-il. Et personne ne doit la voir. Sauf Doña Maria, bien sûr. Et aussi l'homme qui la garde. Doña Maria? Si. Tout est clair maintenant. Singer, ayant réussi son coup, a fait enlever sa nièce qui savait qu'il partait avec l'argent de la banque. C'est pour ça aussi qu'il veut la faire passer pour une malade. Il n'est pas idiot. Elle sera en grand danger dès que Singer saura que nous sommes sur ses talons. J'ai besoin d'elle comme témoin. Je dois la protéger contre lui. Il faut qu'elle témoigne et mon frère sera innocenté. Tu veux la kidnapper? Oui. Tout à l'heure, j'ai appris par un vaquero qu'elle était enfermée à côté de l'écurie, dans une cave où elle est gardée par un homme de Singer. Et personne n'entre dans l'hacienda. Pour y pénétrer, tu dois te faire passer pour un de leurs péons. C'est dans ce but que je t'ai apporté ces vêtements. Comme ça, personne ne te reconnaîtra. Il ne me reste qu'à te souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Tiens-le bien. Empêche-le de bouger. Dis donc, bonhomme, qu'est-ce que vous venez faire par ici? On est sans travail et on m'a dit que vous cherchiez des vaqueros. Archie, tu les connais? Non, jamais vu de ma vie. Alors, vous nous embauchez?
D'accord, on va vous essayer. Et ton ami, qu'est-ce qu'il sait faire? Eh bien, approche-toi. Il est muet, mais il connaît bien son métier. C'est un brave homme. Parfait, il y a du travail. Allez vous installer là-bas, en face des écuries. Bien, on va prévenir le patron. Qu'est-ce qui se passe? Johnny, où es-tu? C'était seulement un rat. Tu aurais commencé à y être habitué, non? Fais-moi un sourire. Est-ce que tu n'es pas heureuse que je sois toujours près de toi? Singer a dit d'avoir bien soin de sa jolie nièce. Non! Tiens, pour te distraire, je vais tirer encore un rat. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Tu vas pas me dire que tu aimes les rats. Je sais plus quoi inventer pour te faire rire. Allez, du calme. T'as vraiment mauvais caractère. Tu n'es pas gentille avec moi. On est seuls tous les deux. On pourrait s'amuser un peu, hein? Ah, que c'est mignon, tout ça. Non,
bougez pas. Non. Non. Attends, je vais te calmer. Non. Mais non. Quitte pas ton idiote. Allez, laisse-moi faire. Laissez-moi. Mais bah, c'est pas toi qui commande. Non. Mais ça, combien de fois t'ai-je dit de ne pas la faire crier? Où te crois-tu? Dans une porcherie? Si tu continues à la surveiller de cette façon, je te renvoie de l'hacienda. Tu n'es pas payé pour te distraire. Pardonne-moi cette folle en vitesse, je ne veux plus l'entendre. Pitié, Maria. Il est toujours après moi. Ne me laissez pas avec lui. Donia Maria, elle ment. J'essaie seulement de la calmer et de la distraire. Elle n'arrête pas de pleurer et de crier. Elle est complètement folle. Moi, je ne sais plus comment faire pour qu'elle se taise. Non, je ne suis pas folle. Vous savez bien que je ne suis pas folle. Tu as absolument raison. C'est une folle furieuse. Mais je connais un moyen pour la soigner. Un moyen radical. Tiens-la et mets-la debout. Non. Je vais lui donner une leçon dont elle se souviendra. Laissez-moi. Belle prise, Andy. Django, tu croyais peut-être que je t'avais pas reconnu. Occupe-toi de la fille. Non, non. Bravo, ça c'est du beau gibier. Non, non. Tu as fait un long chemin, Django. Et voilà la fin du voyage. En attendant, prends ça. Lève-toi maintenant. Allez, debout. Lâchez-moi. Non. Non. Prépare-le, que je m'amuse un peu avec lui. Partir le cheval.
Regardez bien. Ah bah le, tu as assez joué, Singer. Tu es un homme et un art noble, il faut prendre son temps. Laisse-moi. Hé, hey, Django! Écoute, il reste 4 balles dans mon fusil. La dernière t'achèvera. Immédiatement, Maria. Emporte tout ce que tu peux. Pour ce qu'on abandonne. Sartène. Vous vous en allez? Je crois qu'il faudrait pourtant que vous restiez pour faire les comptes. Il paraît que c'est moi qui ai volé la banque. Est-ce exact? Ça ne se fait pas de voler un voleur. Et donnez-moi aussi ce sac qui m'a l'air d'être beaucoup trop lourd pour vous.
Voilà une bonne chose de faite. Et un ami est en bas qui vous attend. Il est impatient de vous revoir. Il me semble qu'il a lui aussi quelques petits comptes à régler avec vous. Mais soyez sans inquiétude, l'affaire sera vite discutée. Mais dépêchez-vous, car il n'aime pas attendre. Je ne vous conseille pas de le mettre en colère. J'attends. Vous êtes très généreuse. Oh. Vous permettez. Je vous préfère sans bijoux. Et maintenant, sortez. Django, voilà ton homme. Pitié, Django. Ne me tue pas. Ne me tue pas, je ne veux pas mourir. Pitié. Django, non. Toi, tu n'es pas un assassin. Attache-le. Tiens, défends-toi, montre-moi que tu es un homme. Abat-les tous. That coward fool.
even be safe behind those bars in jail. I'll kill for Django and for his memory. He was my father, a man of high degree. Au revoir, Satana! Au revoir, Django! Django, a man of high degree, a man of honor, he was a friend to me. They called him Django, a coward gunned him down. I won't rest easy until that coward is found. Every town and country I'll search until I find a trace. Soon there'll be nowhere left where he can show his face. Then revenge will be mine when I have found his trail. That coward won't even be safe behind those bars in jail. I'll kill for Django and for his memory. He was my father, a man of high degree. Yes, I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see. I can't seem to keep people around me. Why? Cause I'm scared that they might know the truth all about me. Then they might doubt me. There's no other route. I wanted to shout, but it's too late now cause I'm drowning. Got two faced like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm growling. Like a cop in a cage,
I can't cope with this hopelessness. Though I try to be open and go with it, but I'm soaking in the pain like a rain never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head. I just can't, I just fucking can't. I know you can't feed me, 'cause I've been living inside of you. But I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I know you can see me, 'cause I've been living inside of you. But I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. Don't you think like this? You be fine, trust me, just in time to get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, big? We're now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you whom I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, ain't nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. Like when they nail Jesus up, there's no fucking happen that they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust, yeah. God damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said? Are you serious? Look at yourself, big. You I fucking know you idiots. Yes, I've been living inside of you. You hitting me. I am every time I set me free. Oh, I love you. I love you. There's nothing that you can do. Funny guy, no way, I see. I know you can see. Can you see me? There's no one else. 'Cause I've been living inside of you. You have to accept it. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do.